Eh bien, bonsoir à tous, bonjour à tous, rebonjour, rebonsoir à vous les écouteurs, c'est moi. On part sur du Farming Simulator après du Fortnite moyennement exécuté, j'ai envie de dire. Toujours en compagnie de... Salut, c'est moi. Quelqu'un qui n'est pas très, qui est très fatigué et du coup pas très réactif. C'est exactement ce qui vient de se passer, j'étais pas prêt. Voilà. Alors, on retourne sur notre ferme. Vous avez eu à attendre moins longtemps que prévu parce que normalement vous auriez dû attendre 3 semaines pour la suite de Farming Simulator, mais finalement vous avez une suite le lendemain. C'est beau. C'est beau. C'est beau. C'est beau, c'est beau, c'est beau. Vous nous avez manqué sur Farming. Ouais. Après les live Fortnite, moi je me dis que c'est dommage de pas en avoir fait un vrai cette semaine, donc même s'il faut que j'invite d'autres gens, je sais pas, j'essaierai de faire quelque chose, hein, je vous le dis. Pas de soucis. Ça me chiffonne. Alors. Normalement, je suis là. Ouais, je suis ici. Alors attends, je vais vendre notre merde de panneau. Parce qu'on avait dit qu'on. On avait dit qu'on ne s'en servirait plus. Il est où? Il est là. Ah bah voilà, c'est bon. Qu'est-ce que tu fais là? Tu me grimpes déjà dessus alors qu'on est même pas parti coucher. Non, c'est bon, je me suis dit à coucher. Tu peux avoir malheureusement le compte en banque. Ah oui, d'accord, du coup, ouais, je le vois le compte en banque. Il est fou. Alors, on avait quoi à faire? Ouais. Ah oui, bah oui. Alors moi j'avais ça à faire. On a un champ de patates pas fini. Depuis tout à l'heure il faut le... Tu peux finir le champ de patates si tu veux. Moi je vais mettre des ballots dans la remorque. Ah merde, j'avais... j'ai mal placé ma caméra déjà. Je vais la replacer tout de suite. Déplacer la charge de la caméra. Ouais. J'ai jamais vu un truc aussi sensible de toute ma vie sur un véhicule. Là, c'est beau. Mais j'étais en train de me dire qu'il faut encore nourrir les poules, mais qu'ils sont au magasin, nos sacs de blé. Là, tu peux aller chercher si tu veux. Ouais, bah attends, je vais lancer notre champ de patates avec des employés à gogo. Parce que bon, c'est pas qu'on a les moyens, mais un petit peu. Et après, je vais aller en chercher un ou deux. Là. Allez hop, ça c'est fait. Puis toi, alors. On va le mettre dans des bonnes dispositions de nos futurs employés là, parce que je sais que sinon ils vont prendre de la merde. Allez, vas-y mon grand. Bon, le Manitou, ouais. Let's go tout de magasin. Allons chercher de quoi nourrir nos volailles. C'est con qu'on peut pas demander à un employé de le faire, ça aussi. Hein. Bah oui, bah j'étais en train de me poser exactement la même question pour ce que je suis en train de faire, parce que ça fait méga long. Surtout ce que je disais hier, hein, c'est complètement con que tu peux pas te faire livrer la bouffe pour les animaux, parce que, comme je le disais, à mon avis, les agriculteurs, ils ont pas que ça à foutre d'aller tout le temps chercher leur... la bouffe. C'est moi où il y a un tracteur aussi au magasin. Plein de choses à nous en fait devant le magasin. C'est notre deuxième garage. Attends, je vais voir. Oula, et pourquoi ça...
C'est pareil, il y a un truc que j'étais en train de penser, je me suis toujours pas justifié parce que hier j'ai totalement zappé. Donc je vais me justifier maintenant. Je suis désolé pour le live Crash Bandicoot. C'est fini un petit peu brutalement parce que ma connexion internet m'avait lâché, tout simplement. Ah, voilà, voilà. Et vu que je sais pas pourquoi, la connexion elle est revenue 3 heures après le live déjà, après la coupure. Et je sais pas pourquoi, j'avais pas envie de continuer sur du Crash Bandicoot. Bizarrement. Non, bizarrement, je sais pas non plus. Je sais pas, j'étais moyen chaud. Alors du coup, bah voilà, je tenais à m'excuser quand même pour ça, parce que c'est vrai qu'hier j'ai totalement... J'en ai totalement pas parlé, j'ai fait comme si de rien n'était. Ça me casse. C'est trop chiant. Y'a pas notre truc à faire vraiment, parce que c'est trop casse-gueule en fait. Y'a beaucoup trop de ballons de paille à mettre dans une remorque. Ah ouais, comme je le disais hier, dans la vraie vie, c'est le truc qui m'avait plus facilité. Hein. Putain! Quoi? Non, rien, je m'en sors très bien, d'ailleurs. Voilà, c'est bon, voilà. C'est bon. Je vais mettre 3 bolos de paille ici. Allez. Je pense que je ferai un... Vas-y. Je pense que je ferai un aller-retour au magasin tous les matins pour nourrir mes poules parce que j'ai la flemme de tout ramener d'un coup. Tu veux savoir un truc? Non. Sur le patate, il a repoussé. Putain, mais y a une voiture qui veut faire la course avec mon Manitou. Je suis mort, putain. On va jamais en finir avec le champ de patate. Le champ de patate, le champ de patate qui rapporte le plus de bénéfices au monde, hein, par contre. Hein. Respecte-le. Je pense aussi. Franchement. De vrais citadins à la ferme, cela. Putain, mais pourquoi mon Manitou il bug? Alors que t'achètes rien. Trop chelou. Bref. On fait pas n'importe quoi, petit. C'est bon. Ah, désolé pour cette petite interruption. Voilà, 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 voilà. Oh putain, c'est plat. Alors. De quoi qui est plat? Ce qui est plat, c'est ma truc, loup. C'est ma... c'est putain, ma benne. Le champ de patate, tu vis d'un côté, t'as l'autre qui repousse, qui casse les couilles, c'est incroyable. Ah, c'est la benne à patate en plus qui est remplie, d'accord, ok. C'est ça. Je pense que je vais les déposer après, j'ai pas fait moi hier. Vas-y, fais donc ça. Qu'est-ce que je pourrais faire moi du coup? Oh merde, j'ai trompé de touche. Ce que tu pourrais faire, je sais pas, voir pour les élevages de vaches. Ah oh ouais, oh tu mordurais. Mais par contre, il faut qu'on sacrifie un terrain, non? Viens, on sacrifie la betterave. C'est ce que j'allais dire, la betterave, on s'en bat les couilles. Mais je vais faire ça. Parce que, en plus, j'ai fait une connerie dès le début du jeu, je sais pas si t'en rappelles. Non, j'en veux plus. Ah, tu t'en rappelles, tant mieux. Quelle était cette fourberie? Bah, ce que je suis en train de faire là actuellement. Mais je l'avais fait qu'à un endroit. Ah oui, 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 oui. Mais par contre, lycée. Est-ce que ça va réellement enlever les betteraves? C'est la question. Bon, je pense. Hein. La dernière fois, t'avais fait ça, il y avait un truc d'herbe. C'était de l'herbe, on est d'accord. Hein. C'était pas de la betterave qui repoussait. Par contre, c'est méga chiant de faire ça un par un. On peut pas faire un truc général de... Ok, on va faire un truc tout simple, tout con. On peut pas?
Merde, ça a un peu débordé sur le champ de patates, tu m'en voudras pas. De toute façon, il est déjà bien trop gros. Un champ de patates dégueulasse, du coup, maintenant. Parce que je viens de voir aussi qu'il y a une partie du poulailler qui a débordé sur le champ de patates et que, du coup, on en perd un petit peu. Mais bon, pas grand-chose, mais. Il n'y a rien qui est droit, quoi. On n'a pas optimisé la chose. Baisser la batteuse, activer la batteuse. On va avoir des belles vaches là. On va en avoir plein. Je vais m'occuper de les acheter aussi, je te dis. Ah bah voilà. Je m'occupe de tout hein, pour les vaches, t'inquiète pas. Tu m'as dit fais les vaches. Ah ouais, fais les vaches. Va pour acheter une pâture. Après, il va peut-être y avoir 2-3 betteraves qui vont se balader, je vais pas te mentir. Mais c'est pas grave. Je vais pas te mentir, je vais aller labourer un champ. J'avais Fais. pas acheté une machine pour labourer. Je sais pas, moi je suis l'homme qui gère le bétail. Attends, je vais aller poser ça. Moi j'ai acheté des poulets et un chien, et je suis monté sur le toit de la ferme. Incroyable. Ça c'est mes rôles à moi, c'est mon palmarès. Macho, oh, c'est tout lisse. Et c'est une fin de live pour Romain. C'est bon, ça te plaît? Ça me plaît, c'est tout lisse. C'est parce que j'ai appuyé sur la touche lisser. Les Ouais, il y a quelques deux. bouts de. Ouais, c'est pas grave, ça t'inquiète. Allez! De l'enclos à bétail, Alors, c'est par ça. où? Enclos des animaux, voilà. Détaché. Hop. Bah, hé. On n'est pas des petites pédales, on va prendre le grand enclos. Y a pas un gros tracteur. Désolé Petit si j'ai choqué les tracteur. gens avec le mot que j'ai utilisé, mais c'est sorti Essayez. naturellement. Je vais pas le répéter. Je suis pas Oh homophobe lui. aussi. Je le Oh répète. lui. Bah non, mais on sait jamais, tu sais, Non. maintenant, tout le monde peut tout prendre de travers. Ouais. Je préfère préciser, hein. Oula, ça fait bizarre, notre enclos à bétail, Oh. Moins 3 000 euros. 300 000 euros. C'est rien, ça. Allez, je vais aller acheter la bête, la bétail, avec ma Jeep, là. Putain, j'ai envie de. On peut pas enlever tous les bois de paille là. Je vais voir mode paysage. C'est un ouf. Allez. Non, je pense qu'il Pour faut faire ça enlever. à la main. Tu peux pas soulever des objets en mode paysage. Ou en tout cas, j'ai pas trouvé. Ah, je suis con, j'ai pas besoin d'y aller en Jeep. Je peux utiliser mon pouvoir de téléportation de super fermier. Ah, on a acheté une voiture juste pour dire qu'on a une voiture en fait. C'est genre. Ça sert à rien. Alors. Oh merde. C'est pas ici, normalement. Oh merde, j'ai fait un gros trou dans le champ, j'ai fait le même connerie que toi. Mais putain, il est nul ce mec. Oh non. Retour. Non. Tu veux des vaches comment? Monter, soulever. On peut avoir des brahmanes, c'est moche, mais c'est stylé. Moi je veux des alors t'as quoi comme nombre de vaches? Oh putain, les Alors, vaches brunes, vaches brunes. j'ai Putain, ça fait brune et blanche, noire, noire et blanche. Et j'ai oh, noir les et blanc. brahmanes là. Là, on prend que. On fout le noir et blanc ou on diversifie un peu? Tu veux me mettre ça, c'est que c'est des vaches à lait, je crois. Ça, Ben, je sais pas si les autres font autre chose en fait. oh, je préfère le steak. Tu mets de plus, tu mets à peu près 95% de vaches marron, les premières là, brunes, et tu mets le reste 5% de vaches noir et blanc. Vu qu'on est riche, je me permets de payer les frais de port pour pas avoir à tout transporter, parce que je sais même pas si on a ce qu'il faut pour transporter. C'est pas des frais de port, c'est des frais de vache. Déjà,
On dit des frais bovines. Ou bovins. Comme les civilisés. Parce que sinon, ça voudrait dire qu'on paye des frais cochons. C'est sacrément cochon. Oh la vache, 500 000 euros. J'ai acheté des vaches. Attends, je vais aller les voir tout de suite maintenant. Je veux pas que tu les voyais avant moi. Oh, c'est stylé! Oh putain, je me suis téléporté au milieu d'elle, quoi. Oh, comment c'est trop bien! Ah, oh, je suis heureux. Je suis tellement refait. Ah, oh, il va falloir leur acheter de la bouffe et ramener la bouffe à tous ces bêtes là. Oh non. Par contre, ça fait chier ça. Oh, c'est stylé! Or, ce champ là, je le mets de côté parce que j'ai vraiment la flemme. Y'a pas un autre champ que j'avais acheté? Méga stylé. J'ai pas regardé encore. Hein. Ah bah oui, voilà. Si, Je. Par contre, il va falloir leur acheter de la bouffe et tout. Bah, le foin, c'est pas fait pour ça, là, du coup. Oh putain, je viens de voir. Ah, t'as acheté une maison. C'est de la paille. Après, tu peux utiliser la paille si tu veux pour la mettre. Hein. Je prends quoi pour la prendre, la paille? La paille, tu vois, normalement, t'as un John Deere, un tracteur vert. Ouais, je l'ai. Ok, tu vas aller chercher ce que j'ai posé. Parce que j'ai posé un truc en face, voilà. En face, j'ai posé un truc, tu le reprends. J'ai capté. Tu vas pouvoir transporter la paille dans leur. Et je te l'ai dit, hein, c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est pas du tout maniable. Ouais, effectivement, ça m'a pas l'air maniable du tout. D'ailleurs, mon champ 10, c'est quoi? Est-ce que c'est une bonne culture, une mauvaise culture? Bon. On va essayer de les nourrir ces bêtes-là quand même. Hein. Oh non. On va pas être sauvage. Oh non. J'ai pas acheté des vaches pour les laisser crever. Oh, tu veux savoir un truc de merde? Bah vas-y, écoute. Le champ 10, c'est des patates. Des patates. Des betteraves. Ah, mais pourquoi t'achètes des betteraves à tout va? Vas-y, viens, on va faire des chevaux. Ah non, parce que c'est le plus gros champ. Je vais aller récolter la betterave. Ah, mon ballot de paille s'est fait la malle. Ouais, je vais aller voir les vaches. Je vais voir où j'en prends les mains. Elles sont belles, nos vaches. Hein. Ah oui, ça fait beaucoup, beaucoup de stylé. Non, je trouve ça tellement stylé d'avoir des vaches. C'est nul, mais. Enfin, c'est nul. En fait, t'as carrément soulevé le terrain. Ouais, mais je sais pas pourquoi le terrain il s'est soulevé quand. Tu fais des. Hop là. Qu'est-ce que tu fais? Bah, alors, non. Du coup, attends, parce que là j'avais mis un ballot de paille là, mais il le mange pas, j'ai l'impression. Ah, je sais pas du tout, moi je sais pas comment. Bah, moi non plus. C'est là, ça c'est peut-être du foin qu'eux ils mangent. Ouais, alors attends. Merde. Et merde. Je fais comment? Qu'est-ce que je fais? Ah, c'est réussi. Ah bah oui, je suis con. Là, il y a moins de chances que ça tombe, normalement. Ça que vous voulez? Enfin, ici? Ah bah non, par là. Normalement. Attends, regarde. Je pense que c'est là. Hein. Il y a tellement de carrés avec des entrées possibles. Et à mon avis, ça correspond chacun à quelque chose. Ouais, non, ça va pas l'air d'être ça. Je sais pas du tout. J'ai pas la maniabilité de mon tracteur, c'est normal. Je fais n'importe quoi avec ce tracteur. Putain, mais c'est casse-couille. Les vaches, elles me regardent en train de promener mon putain de ballot de paille. C'est en train de se dire, mais complètement con. Allez, si je fais ça.
Oh. Ah non, c'est pas ça non plus. Mais putain! Je veux nourrir mes bêtes. Ah, peut-être là encore. Peut-être oh, pas ici. Oh, j'ai acheté un truc intéressant. Ah non, ça veut pas. Ça veut pas. Bah ouais, mais... relou. Allez, vas-y. Je vais abandonner ça. Et je vais faire autre chose de plus productif. Oui, si, c'est là. Grand sac. Mais ils vendent même pas de la bouffe pour les vaches. Ils vendent un grand sac d'avoine, mais ça a l'air d'être pour les chevaux. Enfin, c'est pour les chevaux. Oui, H a terminé son travail. Donc, je sais pas, c'est... Moi, je viens de voir la le potentiel d'autre chose. Merde. Et puis surtout, n'importe quoi. Moi. On dira des nouvelles. C'est pas ça que je voulais. Je voulais le camtar. Non, pas le camtar. Prendre un petit tracteur. Hein. Ah ouais. Oh, mais c'est trop bien. T'as l'air de t'extasier, toi. Ouais. Ça dégage parce que ça me casse les couilles. Ah. Je pense qu'on va devoir commencer petit. C'est beaucoup trop bien si j'arrive à placer ce truc-là. J'ai tellement envie de le placer. C'est un indispensable. Très sincèrement. Il faut réussir à le placer. C'est là la particularité. Ah, on peut pas le mettre, j'ai l'impression. Même le plus petit, il est trop grand. Oh non, c'est l'accident. Ah, fait chier. Même là, je peux pas le caser quelque part. On coupe 2-3 arbres et... Ah, c'est peut-être ça la solution. Faut couper des arbres pour agrandir le terrain. Je sais pas. It's my ship. Ah, je peux le mettre dans ce champ-là, mais j'ai pas envie de le mettre dans le champ-là. Ce terrain ne vous appartient pas. Bah si, il m'appartient. Ah, je suis déçu. Très déçu. Tant pis. Bon. Du coup, on rigole, mais on a des vaches, mais on sait pas comment les nourrir. Même si elles mangent du... Oh, je peux passer à travers elles. Waouh. Je suis rentré dans son cul, je suis ressorti par sa bouche. Oh, c'est dégueulasse. Ah, regarde. On le refait, hop. Voilà. Bon, par contre, pourquoi il y a du branlage de nouilles dans l'air, là-bas? Je sais pas, ça veut dire que l'ouvrier, il a fini son travail, mais regarde près de la... regarde si c'est prêt ou pas. Enfin, si c'est fait carré. Ouais, mais je sais comment on fait. Regarde si la culture elle est prête. De quoi? Ah, bah, c'est bon, t'as engagé l'ouvrier? Bah oui. Mais je sais comment on fait. Pas. Mais je sais comment on fait aussi, mais ça fonctionne. Non, non, tu sais pas. Parce que il faut abaisser la moissonneuse, l'activer et après t'engages ton ouvrier. Parce que si il est tout seul, il sait pas le faire. Si tu lui demandes de faire ça tout seul. Mais par contre, qu'est-ce qu'on met pour nourrir nos vaches là? Ça me... Il faut trouver comment nourrir nos vaches. Bon, qu'est-ce que je peux faire du coup? Parce que maintenant que j'ai acheté des vaches... Tu peux acheter du foin, hein. Bah oui, mais on a des... Bah nous, on en a des trucs de foin. Non, on a de la paille. Ah... Mais tu me dis rien. Mais je te l'ai déjà dit. Non. Il est bouché. Non plus. Vache. Peu cher. J'en ai acheté quelques-unes. Ah oui, j'ai eu bien de voir, ça vient d'apparaître à côté de moi.
Oh putain de Nouveau véhicule. J'achète du foin, ils me disent 5200 nouveaux véhicules. Ils se foutent de ma gueule, non? Il y a un problème. T'as déjà roulé avec du foin, toi? Oui. C'était un sacré foin. D'accord. Bon. Faut que je prenne ce tracteur-ci, alors. Allez, mon grand. Oh, frérot, c'est que c'est hier, par contre. Voilà, montez, toi. Mais je comprends pas pourquoi le terrain il s'est surélevé quand j'ai installé notre installation bovine. Par contre, ça va être relou de tout ramener à la ferme. On n'a pas une remorque pour ça? Si. Bah ramène-toi si tu sois au vert. Bah si, je sais quoi faire depuis tout à l'heure que je suis en fait. Salut à toi Adrix TV, comment vas-tu? Salut, j'adore comment t'es passé. Ça va et toi? Bah écoute, ça va bien. Hein. Tout va bien dans le meilleur des mondes. Ouais, j'ai vu, on s'est croisé un peu. Putain, mais pourquoi on a plein de tracteurs et tout au magasin là? Je sais pas, tu dépenses sans compter. Mais non, moi j'ai juste dépensé de la bouffe pour les poules et puis les ballots de paille que je viens d'allègrement renverser. Ça conduit comme des citadins. Ah ouais, non, là on est. Pourtant, on fait de notre mieux, hein, mais. Du coup, t'as balancé le ballot de paille. J'ai balancé quoi? Le ballot de paille. Ouais, je les ai allègrement renversés. Putain, mais. Je fais du Y avec mon tracteur. Putain, ah! Ça me casse les couilles. C'est incroyable comment ça me suit. Oh, allez! Oh, ah, j'en ai eu un. Oula, j'ai failli le perdre. Non, je l'ai perdu. La maîtrise du tracteur. Ah, il faut savoir que la sensibilité sur le tracteur est folle, hein, par contre. Pour la conduite, c'est. Allez, la conduite, la conduite est même sensible avec notre voiture là qu'on a acheté. C'est chiant de. Je vais essayer de le prendre comme ça. Voilà, c'est bon. Je sais c'est quoi notre futur achat qu'on veut faire parce que ça va commencer à devenir juste. Ok, moi je te fais confiance. C'est des bennes pour tracteur. La traînée est oubliée et bientôt pleine. Putain. Allez, c'est bon. Moi j'ai mon ballot de paille. Il ne reste plus que 7 à ramener. Mais pourquoi t'as pas pris un tracteur? Mais j'ai déjà un tracteur là. Bah tu crois que je suis parti chercher avec quoi? Non mais genre. Putain, mais tu peux venir me remettre sur la route, s'il te plaît. Aïe, aïe. Ah, attends. Ah, c'est bon. Tracteur en paix. Oh, mais les tracteurs, j'aime bien les renverser, moi. Ah, quoique la dernière fois que j'ai renversé un véhicule, moi c'était le Manitou. Putain, mais. Il faut que je recommence à reprendre le bordel. Quel enfer. Putain! Allez, c'est bon, là je l'ai. L'arbre il va pas me gêner, je pense pas. J'espère que la caméra va revenir. Faut faire des gros efforts. Voilà. On y est. Bon. Est-ce qu'on peut nourrir nos vaches du coup? Par contre, je suis. Non. Voilà. Le ballot de foin qui voulait s'échapper encore.
Du coup, si je pose ça là, je vais me manger. Ah, attends, peut-être pas faire la connerie de poser ça là. Je pense que ce sera plus mieux je vais comme. Chercher des postes de soja après voir si ça existe. Tiens, il y a toujours des poteaux qui passent. Mais comment je fais pour les nourrir? Franchement, j'en sais rien. Bah ouais, aide-moi, je t'en supplie. Je vais voir. Fait chier. L'ouvrier est bloqué par un objet, putain, ils font aucun effort. Ah, c'est bon! Ah putain, on peut les prendre à la main, mais l'objet il est trop lourd, peut-être que si on s'y met à deux. Non, faut que t'aies une. Une super force. Une faux, non? J'en sais rien. Je sais pas. Putain, mais l'autre il est bloqué par un truc de merde, il fait chier. Puis ce champ de patates qui n'en finit jamais. Je suis là. L'objet est trop lourd. Bah oui, faut que tu le prennes à la main. Mais... Ah putain, attends. J'ai un tiré, mon grand. Qu'est-ce que tu fais? Putain, je t'attends. Mais il était bloqué, l'autre con, il continuait pas les patates. Et puis en plus, on paye 131 balles alors qu'il était en train de se rouler la nuit. Une fourche. Et sinon, tu nous disais que tu ne pouvais pas nous aider. Une fourche, ouais, peut-être, mais c'est vrai que c'est pas déconnant. Est-ce que ça s'achète? Parce que j'ai pas l'impression d'avoir vu réellement du matériel agricole comme ça, tu sais, que tu peux avoir à la main dans le jeu. Dans divers. C'est des palettes de fourche. J'ai un point d'eau, j'ai un atelier pour véhicules. J'ai pas non plus de fourche. Karcher. Ouais, moi aussi. Pas de fourche. Non. Peut-être dans décoration. Non. Dans pelle. Non, la pelle, c'est pour modifier là, que j'ai aplati tout le notre champ. Ah oui, t'as fait des sacrés trous en plein milieu du champ, toi, je viens de voir. Ouais, je connaissais pas la touche. Il fait meilleur que toi. Oui. Dis que c'est moi qui fais des erreurs du coup. Non, l'appel. Ouais, non, bah du coup, l'appel, ouais, c'est ce que je viens de dire. Je croyais que c'était Romain qui me demandait si ça pouvait être dans l'appel. J'avais pas eu ton commentaire, excuse-moi. Mais ouais, du coup, non, c'est pas dans l'appel. Bon, ben, si vous avez faim, vous passez par-dessus la clôture. J'ai mis un carré de foin. Et mes poules, comment elles vont? Ouais, il reste 3 graines. Mais c'est pareil, quand je ramène mon truc de graines de poule, ça en verse plein par terre. Et quasiment rien là, mais j'ai l'impression que je peux pas manœuvrer comme il faut pour le truc, quoi. Mais on avait pas le silo à grains, là. Il est pas rempli, là. Le truc de blé, là. Non, si. J'en avais mis des trucs dedans. Bah alors, pourquoi on peut pas les prendre pour nos poules? Bah moi j'ai fait un peu le tour de la map, je vais voir ce qu'il y a autour, s'il y a des trucs intéressants. Tu veux pas m'aider à nourrir les vaches, à trouver un truc. Parce que là j'aimerais bien j'aimerais bien les garder en vie, quoi. Sacré plan. Bon. Bon. Mais il y a l'autre connard. Putain, et les employés, par contre, là, ils font du pire travail que nous. Hein. Je t'assure. Qu'est-ce qu'il est en train de galérer là? Ok, je suis allé, look, un tuto pour toi. Ah, c'est fort, fort aimable. Dis-moi tout alors.
Il y a Drix TV qui a peut-être la solution pour nous, mon cher Romain, au lieu de bailler toutes les semaines. Ah putain, s'il arrive à trouver, il y a... le chien, il est sur le toit. Quoi? Quoi? Le toit de la maison? Viens voir, vite, de l'autre côté. Regarde le chien où il est. Cherche-le sur... Non, avance sur le... l'étage, là. Mais qu'est-ce qu'il branle là? Qu'est-ce qu'il faut? Je vais monter. Il faut une machine pour donner la paille aux bêtes. D'accord, alors il nous faut une machine spéciale apparemment. Pour donner la paille. Merde. Attends, j'allais voir un peu notre chien. Attends, on va regarder un peu dans les achats. Je veux juste aller voir le chien. Comprendre le pourquoi du comment. Parce que... Quel moment quoi? Ah bah il est descendu. Je lui fais peur. Je vais le caresser un petit peu pour le féliciter. Un bon tout. Oh, oui, c'est un bon chien. Oh là là, oh, le bon chien. Oh, il est content. Bon. Alors, et tu mets une pailleuse, ça s'appelle apparemment. Et tu mets le ballot de paille dedans. Et tu vas dans l'autre zone pour la nourrir. Et où tu as mis la paille, c'est pour l'eau. D'accord, ok. Donc, où est-ce que j'avais mis la paille de base? C'était pas le bon truc. Une pailleuse. Animaux, oui, j'imagine. C'est quoi ça, véhicule? Ça sert à préparer la ration totale mélangée pour nourrir les vaches. Ah ouais, c'est ça. Ne cherche pas, c'est ça. Bon, excuse-moi, hein, mes vaches nous coûtent un peu cher, mais... Putain, ouais. Puis on a mis le véhicule aussi. Qu'est-ce que c'est que ça? C'est la première fois que je vois ça. Oh, c'est le tracteur de Batman que t'as acheté, là, par contre. C'est le bateau. Qu'est-ce qu'il fout, notre pick-up, au milieu de la route? Tu peux m'expliquer? Ça sert à rien du tout. C'est pas moi qui étais bien. Putain, puis il y a encore... T'as encore racheté un Manitou, ok. Mais faut faire quelque chose, là, moi. Ah, ok, ouais, d'accord. Ouais. Je commence à comprendre qu'est-ce qu'il faut faire avec cette machine. Tu mets le truc, la paille dedans. Et après, bah, tu sers. Oh, bah voilà, oui, viens. Putain, je m'en rappelle plus. C'est vraiment comme ça qu'on s'arrête là, en plus. Mais je savais pas que ça existait dans le jeu. Monsieur a déjà travaillé à la ferme et... Je savais pas, désolé. Il sait pas comment on nourrit des vaches. C'est vrai que ce matin, il faisait ça. Ça m'a l'air un peu... pas bien. Oh putain, mais y'a un camtar qui fout là. Mais gros, qu'est-ce que tu... Mais du coup, faut que j'aille chercher ça. Oh, c'est relou. Faire le... Alors attends, où est-ce que je l'avais mis mon camion? Ça ira plus vite parce que on a vraiment trop de véhicules en fait. Oh, il est là-bas. Ah, ça ressemble aussi à ça du coup. Ah, alors apparemment c'était pas ça. C'est dans les remorques. Et pour l'eau, il faut mettre un point d'eau et une citerne. D'accord. Donc on va regarder à ça aussi. Tu peux aussi prendre une remorque. Ça ressemble aussi à ça. Tu l'as en format remorque. Mais t'as la même chose. Ok. Donc c'était pas ce que Adrix TV a vu. Mais. Ça ressemble. Bah, en fait, il y avait une remorque qui était déjà conçue pour ça au lieu de se faire chier à prendre le véhicule. Mais moi j'ai directement pris le véhicule. Allez, là j'ai un ballot de paille, tiens, normalement. Directement le mettre dans la machine. Et pourquoi il y a l'autre qui est encore à l'arrêt en train de se branler la nouille dans le champ de patates? Peut-être parce qu'il est fini, j'en sais rien, j'ai plus rien. Toi, tu as pris le format de luxe. Ah ouais, non, mais moi je vis dans la luxure.
Moi je suis fermier, mais il me faut tout en grand. T'as dépensé 50. Exact. Le magasin, il doit en avoir marre de nous. On stocke toutes nos merdes. Putain, j'ai perdu le ballot de foin, non? Ah non, il a directement été mis dans la machine, d'accord. Super. Le magasin, il doit en avoir marre de nous. On l'utilise comme un garage, en fait. Il doit être content aussi. Il doit se dire, putain, il dépense. C'est les seuls clients que j'ai. J'allais dire, on doit être les seuls clients, par contre. Ah, c'est un peu comme les machines à pince dans les fêtes foraines, hein, ce que je tente. Merci pour le follow en tout cas, Adrix TV. Bienvenue chez les écouteurs. C'est un plaisir. Merci beaucoup. Oula. Allez. Mais merde, putain. Du coup, je t'ai connu grâce au post sur Facebook. Je vais continuer mon tour de tous les lives. T'as bien raison. Va soutenir un peu d'autres streamers. J'aime beaucoup les gens comme toi parce que du coup, moi, je poste des trucs sur Facebook et quand j'ai le temps, je l'ai pas toujours malheureusement. J'essaye d'aller voir d'autres streamers. Donc, j'en ai connu quelques-uns grâce à ça. Hein. Mais j'ai l'impression que beaucoup de gens viennent sur les groupes et finalement postent leur publication et puis au revoir quoi. Et je trouve ça dommage. Mais en tout cas, merci à toi d'être passé. Et j'espère que tu trouveras d'autres gens qui sont formidables aussi. Merci de nous avoir aidés aussi. Alors, oui, merci pour l'aide. Je suis un petit streamer donc il faut se serrer les coudes. Je suis bien d'accord. J'irai voir un peu ta chaîne, déjà les rediffusions s'il y en a, puis j'essaierai de venir en live. Mais c'est sur les groupes, c'est ça, ça poste et salut. Ouais, c'est ça. Et ça me saoule. C'est pour ça que j'ai créé un groupe Facebook. Moi aussi, du coup, je te le dis, je suis un peu la pub pour ça. Je l'ai posté sur les autres groupes Facebook et il y en a quelques-uns qui m'ont même ban parce que j'avais posté à un autre groupe Facebook. Parce que je veux tenter d'éviter ça. Je veux qu'on soit une petite communauté au début pour serrer les coudes. Et après, peut-être accueillir plus de gens. Enfin, je sais pas encore comment dégoupiller tout ça, mais... Je voulais faire un truc un peu différent que les groupes actuels. Pas de soucis. En tout cas, c'était cool de t'avoir. Vraiment. Et ben, j'espère que tu trouveras d'autres gens qui te dont le contenu te plaît. Salut, mec. Oui, je comprends. Ah, oui. Merci à vous et bon courage pour nourrir les vaches. Merci. Il va falloir... Ah là, du courage pour nourrir les vaches, il m'en faut. Mais j'arrive à comprendre le truc, hein, en vrai. Tu serais très fier de moi si tu voyais ce que je faisais. Qui, moi? Bah oui. Ouais, je vais voir ça tout de suite, j'y arrive. C'est encore un peu brouillon, mais... Je pense une fois que je commencerai à avoir des viewers, j'essaierai de faire des sortes de tournois ou des choses dans le style. Ça peut être intéressant, après, je sais pas encore des tournois de quoi. Mais ouais, ça peut être intéressant. Non. Je suis en train de me débattre avec ce truc. Ah my god, j'arrive toujours pas à comprendre comment il pouvait. Non. Putain. Allez, bonne soirée à vous et à bientôt. Bien, à bientôt, bonne soirée à toi aussi. Bonjour. Ah oui. Alors j'arrive vers la ferme, je reviens. J'étais. Je sais pas si t'as vu mais on a gagné un peu d'argent quand même. Non j'ai pas fait gaffe, moi j'étais à fond sur mes pailles et je répondais aussi à notre ami. Notre ami Adrix TV. Notre écouteur. Notre écouteur, exact.
Je rêve d'un petit dodo. Mais il rêve des. Mais en fait, j'ai mis deux carrés de paille et ça y est, je peux plus remplir la benne là. Enfin... C'est ça ma vie. C'est bon. La vie. Je vais aller donner de ça aux vaches en tout cas. Je vais voir pour la boîte. Tu vas voir pourquoi? La boîte. Alors. Putain, mais il y a des latences de ouf alors que j'ai... Bah, je vois pas que t'achètes des trucs, donc à mon avis t'achètes rien. Et je sais pas pourquoi, mais ça me faisait déjà avec mon Manitou. J'achète pas grand chose. Oula, ouh. Ah, j'ai peut-être compris. C'est quand je change de véhicule. Ah, peut-être, peut-être. Vas-y, change un peu de véhicule pour voir. Ah, j'ai pas envie. Bah non, mais juste vite fait... Pourquoi il y a des colis où il y a nos poules? Je sais pas, j'ai pas tout le somme. Je vais aller voir après. C'est peut-être ce qu'elle nous donne, finalement. Je vais regarder après, attends. Je fais ça. Des œufs. Ah, on peut revendre des œufs du coup. Et des ça, œufs c'est beau. Bah, je sais pas. Je croyais que t'avais été voir, en fait. Ouais. Bon. Ramasser l'objet. Ramasser l'objet. Allez, tu peux les ramasser, mais... Laissez l'objet. Ah, attends, parce que moi, je suis toujours en détresse avec mon truc. Faut que je trouve où vous le posez. Ah non! Non, oh, ah, c'est bon. Je fais des bruits très bizarres. Ah oui. Putain, mais c'est infernal. J'en peux plus. C'est clair. J'en peux plus. Pitié, quoi. Tu vas t'en sortir, t'inquiète. J'ai pas l'impression de m'en sortir. C'est bien là le problème. Putain, mais je suis censé aller chercher ça où du coup? Il me faut peut-être encore une autre machine en fait pour mettre mon foin là. Oui. Ah non, c'est bon. Oui. J'ai on va trouvé faire notre culture. Putain, on a trouvé en même temps. On est trop fort. On est trop synchro, oui. On est trop fort, on est des dieux. Je sais pas si tu peux voir dans le champ d'à côté vite fait avec la caméra. Lequel? Regarde, tu vas voir. Dans le champ d'à côté. Ouais, je me repère par rapport à où t'es toi, mais... Ok, t'es là. Tu vas voir, derrière toi. Ouais, je te vois, qu'est-ce que tu fais? D'accord. Par contre, je suis pas certain de la réussite de mon truc, finalement. Parce que j'ai vu qu'il y a un côté où ça se déchargeait. Mais je sais pas si, tant que je suis dans le carré et que je décharge, ça marche. Ou s'il faut vraiment que ce soit dans le truc. C'est difficile à expliquer comme ça sans que tu aies vu. C'est quoi ça? Je sais pas, mais est-ce qu'il faudrait pas le revendre à quelqu'un, à un magasin ou un truc comme ça? Bah, je pense, ouais. Ce qui est bien, c'est que tu le mettes, mets-le sur la petite remorque et après attache-le avec des sangles. La petite remorque? Quelle petite remorque? Ouais, alors attends, je vais chercher la voiture, on va le mettre dans la voiture. Ouais, dans le pick-up, non? Ouais. Attends, je vais le chercher, vas-y, t'emmerde pas. Continue ce que tu fais. Ouais. Non, t'inquiète, je suis là. Je vais reprendre après vite fait la conduite. Ah, mais tu l'as prise là, non? Ah oui, ok, c'est bon.
T'es où? Parce que bah Peter, j'étais en train de chercher la voiture comme un connard. Non, je suis là. J'étais en train de changer de véhicule. J'attends dans mon tracteur. Oh, ça va être C'est pareil, faut que je remonte ça à qui, moi? Ça va être très très long. Eh. Je vais voir avec qui faut revendre. Pause. Silo ferroviaire, non. Ah, je pense pas. Pas un petit magasin ou un petit truc comme ça à prendre en compte. Mais on sait même pas ce que c'est, hein, le pire. Ah bah oui, mais je pense que c'est des œufs quand même. Bah je pense aussi, mais... Va savoir. Négociant de bétail, peut-être. Peut-être là-dedans. Je sais pas, moi c'est là-haut que je vais pour acheter, ben... J'ai été acheter mes poules et mes vaches, mais... Oula, ça doit être très bizarre à voir. De ton point de vue, ce que je fais en vrai. Oui. Parce que, à mon avis, il y a des moments où mon perso, il est en train de monter sur le truc qui transporte. Je sais pas si tu. Attends. Je sais pas si tu me regardes ou quoi. Ah, comment tu portes, c'est trop drôle. Attends, regarde, j'ai ton trait. Là, je suis en train de marcher dessus, je crois, en fait. C'est pour ça que c'est drôle. Ah, attends. Je suis en train de poser ça un peu comme je veux. Vas-y, fais voir. Oh putain! On est les X-Men! On est tellement les X-Men! On fait ça par la pensée? Là, normalement, je suis en train de marcher dessus, en fait. C'est ça que je comprends pas. Vu comment le truc, il fait bugger. On est en train de charger ça comme des sacs. Enfin, surtout moi, parce que toi t'as juste posé une caisse. Donc... Caisse en... C'est celle-là que j'aurais dû acheter, putain. Ouais, c'est plus que deux. Plus que deux. Oh putain. Dans 15 minutes, j'arrête. En vrai? Ouais. Bah oui, tu pourquoi pour deux fois? Bah, ça parce que on a fait un live très court du coup sur Fortnite. Et là, oui. Ça fait même pas une heure. Oui. Bah voilà, c'est pas bon. Et toi, tu veux me faire coucher mes gâtards en fait? Allez, c'est pas que je veux te faire coucher mes gâtards, mais c'est qu'il faut faire un truc assez... Mais mon pote, je suis fatigué, moi, aussi. Bah, dans ces cas-là, il fallait me le dire, et puis on n'aurait pas fait ça ce soir. Tu me l'as déjà fait, non, me le dire. On avait promis de le faire ça ce soir. On n'a rien promis du tout. Et moi, je te dis, hein, c'est, je te dis, c'est un tout le temps, entre 22h30 et 23h que j'arrête. Ouais. Je suis pas sûr d'avoir entendu ça, mais... Bon, faut que j'aille les mettre où là, les boîtes là? Attends, je vais regarder s'il y a des sangles déjà. Bah, je les ai mises. Hein. Ok, il y a des sangles. Bah, alors, allez, tu me demandes à moi. Mais si je connais autant de jeux que toi, mortel de. Bah, allez, on va aller coucher parce que tu vas saouler. Allez, viens. J'aimerais bien le coucher. Alors. Tac. Dormir. On peut pas dormir, c'est quoi cette... Il est quelle heure? Ouais, à peu près. Il sera bientôt 20h, c'est pour ça. Bah oui. Rambo 14 veut dormir, accepter sa demande. Je ne suis pas sûr qu'il ne veut que dormir, mais... Voilà, mais... Pourquoi on a gagné 900 000 euros? Parce que c'est les revenus de la propriété. Ouh, lourd. Moi, faut que je les emmène où, là, mes trucs? Bah, il a travaillé toute la nuit, l'autre. Tu peux nourrir les vaches et les poules, s'il te plaît? Ouais, je vais le faire. Je crois que j'ai perdu une boîte en route. Oh, putain.
Je suis pas sûr. Putain, mais les voitures elles me rentrent dedans aussi. Est-ce que j'ai réellement perdu une boîte? Ah, peut-être pas, je suis pas sûr. Non, en fait, non. Bon. Où est-ce que je peux ramener ça? Ça, c'est à nous. Faut pas oublier. Magasin, pour moi, le magasin, ce qui m'a l'air de mieux. Il y a plein de trucs que tu peux revendre. Bah, il y a plein de trucs où tu peux revendre, mais j'ai pas trouvé l'endroit. On va aller voir le magasin, déjà. Je vous propose de faire ça. Putain, comment il trace notre bordel là? Vache! Attendez pas à ça, hein. Ah, c'est stylé. J'ai pas vu ça. Bon, on a un magasin là, non? On peut faire des choses. C'est le magasin le plus vite du monde, quoi. J'y vais en voiture. Ouais, mais c'est plus complet aussi. Ouais, mais. Ça, c'est paradoxal. C'est plus vide où il y a le tout. Par contre, mes trucs là, les trucs qu'on suppose être des œufs, bah je les ai toujours. Je sais pas quoi en faire. Je vois bien le mec qui se travaille en vrai dans la vraie vie avec. J'ai des boîtes, mais je sais pas ce que c'est dedans. Je peux pas les ouvrir. Ah non, mais. Bah écoute, je vais faire quelque chose d'autre. Waouh, comment il s'est trop bien garé mon petit taco. Bon. Bah. Parce que, de ce que j'ai compris, bah il nous faut de l'eau aussi pour nos bait. C'était au courant? Oui. Du coup. Tu sais comment faire? Bah, il nous faut un point d'eau. Oui. Déjà. J'en ai un. Tu sais comment faire? Non, voilà, je sais pas comment faire. Mais je le mets où? Où tu veux. D'accord, on va le mettre entre là. Où est-ce que je peux le poser? Voilà, ça c'est bien. Ici. Et il faut que je fasse quoi d'autre du coup? Je crois qu'il fallait autre chose. Hein. Non. Attends, je cherche. Une citerne. Oui, voilà, bien vu. Ouais. Il y a tellement de trucs dans le jeu, en vrai je m'y perds, c'est un truc de ouf. Peut-être là-dedans. Merde, j'avais oublié, j'ai un autre champ moi. Transport des animaux, non, ça m'intéresse pas. Des masses. Ah oui, bah il est plein. Bah oui.
Je comprends pourquoi ça va pas. Ben voilà. Très bien. Faut que tu te calmes hein, sur les nouveaux véhicules, par contre, je le dis. Moi, j'ai plus rien acheté, moi. Ouais, je sais, c'est moi. Mais je t'engueule, toi, quand même. Et même le camion hein, il trace son truc à remorquer. Putain, c'est vraiment le bordel le magasin, je te jure. Faudrait ralentir le temps en vrai, parce que tu l'as gardé accéléré alors qu'on a le temps de rien faire. Pourquoi tu penses que tu veux que je ralentisse quoi? Bah le temps, la journée qui passe. La dernière fois t'avais mis les minutes en temps réel et là... Parce que tu vas pas me dire que le champ qui repousse toutes les 5 minutes, on n'a jamais le temps de nourrir nos bêtes. Merci. J'apprécie le geste. Moi, il faut que je me prenne un petit canetard. Ouais, allez, ça c'est très bien. J'espère que tu t'en servais pas. Sinon, tant pis pour toi. Ouh là 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 là, cette conduite approximative. Je vois paiement des salaires, mais on a vraiment encore des employés. Voilà, ça fait tellement un moment que je me suis pas occupé de nos champs. Excusez-moi. C'est contagieux, ça, connerie. Mais merde. Il me faut quoi pour remarquer cette connerie? Oh, j'en ai marre, tiens, regarde, je vais laisser cela. C'est parfait. Il faut que je ramène un autre tracteur pour essayer. Celui-ci, ça a l'air d'être sensiblement le même, donc non. Oh, est-ce que je peux y aller avec mon Manitou? Non, ça c'est... Wow, ok, on va le laisser tomber ça pendant ce qui reste. On n'avait pas un tracteur bleu à l'époque. C'est tellement l'anarchie dans notre ferme en vrai. C'est incroyable. Ah bah attends. J'avoue. Je vais aller faire un tour, je vais voir. Putain, mais j'arrive à rien, ça me casse les couilles. Pourquoi t'as accéléré le temps au lieu de le ralentir en fait? C'est ça que je comprends pas. Ah, j'ai accéléré? Merde. Bah ouais. Je l'ai pas ralenti. Les minutes passent en secondes. Ah, moi j'aime baigner en attendant, je... Cette vie de fermier me stresse.
Il y a raison. Bon, je pense que tu me fais un pour moi. De quoi? Je suis au bout de ma vie. Ouais. Allez. Allez, du coup, j'ai l'impression qu'on va s'arrêter là. Ouais. Donc, pendant 3 semaines, pendant 2 semaines, le mieux, ça serait de pouvoir commencer à avoir donné à manger aux vaches. Vous pouvez... Mais je sais comment donner à manger aux vaches, je l'ai fait. Ok. Refaire. Ensuite, il y a les champs qui sont en train d'être... Alors, t'as un champ qui est en train de se faire labourer. T'as un autre champ qui est en train de... Je suis en train de récolter les pommes de terre. Mm-hmm. Les betteraves, pardon. Et ensuite, il faudrait qu'on arrive à ramener les ballots de paille du champ d'à côté pour pouvoir après que je laboure. Puis après, on va pouvoir commencer à penser à la replantation. Là, je te dis, à côté de notre champ, je pense à une replantation de sauge. Ouais. Je te suis. Ce serait skip, c'est ce qui rapporte le plus, donc. Pourquoi pas. Mais quand il va falloir faire les plantations, il va falloir ensuite mettre l'engrais et tout ça. Enfin, ça va être encore une autre con. Mais... Ouais, j'ai bien c'est garé cool. Mes petits véhicules, c'est beau. Bon, mon gars. Ouais, et ben, du coup, on s'arrête là pour ce soir. Je vous fais des gros bisous. Je vous dis à la prochaine. Peut-être que je vais faire un autre live après, du coup, sur autre chose. Je ne sais pas, j'hésite encore. Je ne vous promets rien. Mais je vous dis à la prochaine. Je fais des gros bisous. Et surtout, ne vous amusez plus. Au revoir. Ouais, bisous à tous.